amis téléspectateurs chaîne 56, Télésignal. Go bonjour pour nous toutes. Nous comptons rejoindre nous. Jeudi à nous, mercredi. Nous sommes déjà mardi 8 novembre 2016. Nous comptons avec vous. Dans l'espace invité, nous avons tout sur 90.5, Signal FM. En plus, amis qui connectent, nous comptons avec vous. L'autre fois, matin, pour nous parler politique, pour nous parler élection. C'est vrai, élection en Haïti, c'est 20 novembre. Nous connaissons la campagne électorale là, qui s'est représentée, dans quel contexte la fête. En plus, le candidat qui paraît, en plus, le candidat qui est victime tout même de passage à cyclone Mathieu sur Haïti, il était déjà pas tellement en vue. Et cyclone n'a fait un pile, l'autre vient pas paraître. Même Jean gagne de toi, tout qui était au top, n'a fait campagne, n'a approché population, hein, et à l'approche élection 20 novembre. Et en pile là-dedans, il estimé y a tant date ça, puisque il y a un pile temps depuis une campagne, en campagne électorale qui fatiguait. Et autorité, en commençant par le président de la République, Jocelyn Brivère, bah, garantit 20 novembre, n'a pas respecté l'élection qui a fait. Et c'est même position en bas côté conseil électoral là, et c'est même l'idée qui traverse le gouvernement à travers le Premier ministre et Nex Jean-Charles. Donc, pratiquement, un peu le monde était quoi, mais 20 novembre, nan, la possible élection, il y a fait pour pays en février, gagner des élus et qui entrer dans le poste pour le poser. Un peu le problème, pays d'Haïti a fait face, je dis à. Et notamment fragilité environnementale Haïti qu'on connaît, puisque à chaque fois on t'y a pu tomber, à chaque fois on t'y vent souffler, et c'est catastrophe, c'est monde qui mourit, c'est caille qui crasé, c'est jardin qui dévasté. Mais maintenant, on a fait un petit campo tout petit sur l'élection haïtienne pour nous rendre nous la caille grand voisin, puisque nous on a parlé là même, élection américaine déjà démarré, et qu'on connaît, c'est deux candidats qui face à face, Hillary Clinton pour parti démocrate là, et puis Donald Trump pour parti républicain. Hein, et après campagne électorale la fini hier dans pays États-Unis, eh bien monsieur Damio, yo aptan électeur qui déjà commencé voter non seulement États-Unis, un peu partout à travers le monde, puisque système américain permet que américain et qui trouvait dans pile pays et qui a possibilité de voter pour une ou l'autre candidat ça et voit ça, vote ça, li a compté. Et pour nous commenter actualité ça matin, Jean ça déjà annoncé Stanley Lucas avec nous pour nous garder et bien qui ça élection américaine ça a porté pour États-Unis sous plan économique, sous plan politique, si c'est une ou l'autre candidat ça, alors qui est là dedans qui pourrait réussir. Et mais tout puis devant et quand même ça a gagné dans cadre relation Haïti à États-Unis. Donc c'est dans ce sens ça nous allons causer matin avec Stanley Lucas sur déroulement élection américaine, technicité question et la question des grands électeurs, comment ça se passe, et n'a pas gagné précision au matin une nouvelle fois avec Stanley Lucas. Nous comptons ou avec nos amis auditeurs, amis téléspectateurs, les chaînes 56 avec Radio Signal 90.5 et permettre nous prendre une première petite pause là et puis n'a pas tourné avec Stanley Lucas. Merci un pile, amis téléspectateurs, amis auditeurs, pour fidélité ou acatation. Stanley Lucas avec nous, l'espace invité à matin depuis Washington. Stanley, bonjour, comment nous y est? Nous content et ou avec nous matin pour nous faire brasser l'idée sur le déroulement élection américaine aujourd'hui, notamment. Bonjour, Franz, bonjour à toute l'équipe là, et puis nous saluons auditeurs fidèles, fidèles Signal FM qui est dans la diaspora et en dedans pays. Bonjour. Et nous comptons avec nous matin. Déjà, l'élection a démarré. Et premier élément d'information, on a rentré sous puis devant. Mais quand même, on a fait garder deux candidats, yo, Stanley, Donald Trump et Hillary Clinton. Et campagne électorale là, qui s'est plus marqué dans la campagne M. Damio, jusqu'à ce qu'on arrive dans le déroulement de l'élection, journée vote là, jeudi à 8 novembre. Bon, et un pile haïtien qui vit aux États-Unis, on le sait déjà. Et haïtiens qui américains qui ont un pile qui vient en voter déjà, parce que le système électoral américain est différent du système électoral haïtien. Dans le système électoral américain, vous avez droit à voter, vous commencez à voter depuis le début du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous voter. Premier bagage pour vous connaître, en Haïti, vous avez choisi un candidat pour président. Ou à voter, vous comptez vote, vous, monde qui fait plus de vote là, c'est le gain.
Aux États-Unis, c'est pas comme ça qu'il y a. Aux États-Unis, l'oral voter, c'est vrai que votre populaire est important, mais pour gagner droit, gagner votre populaire ou pas résident. Ça qui est important, c'est le nombre de délégués pour recevoir comme candidat à la présidence. Monde qui fait 270 délégués, c'est lui qui a président. Alors ça, il est grand électeur. C'est ça, grand électeur. Moun qui réussit, joint 270 là, c'est en fonction du nombre d'États que vous gagnez aux États-Unis. Par exemple, un État comme le Texas, il y a 38 délégués. Un État comme la Californie, il y a 55 délégués. Un État comme la Floride, ou bien comme la Floride, qui est très important dans l'élection, ça, c'est 29 délégués. On est à compétitif concours Pennsylvanie, c'est 20 délégués. On est à concours Ohio, c'est 10 délégués. Donc, candidat au Pral Goumet pourrait qui est qu'à 270 délégués en vent. Mais ici, aux États-Unis, gagner trois qualités État les gagnent élection. Il y a un État qui traditionnellement vote démocrate, ça veut dire que là, on l'État de la Californie, l'on prend Oregon, l'on prend Washington, l'on prend Minnesota, l'État ça c'est l'État traditionnellement qui vote démocrate. Mais alors, l'État démocratique, les États bleus, que des États tout qui traditionnellement votent républicains. L'État ça les États rouges, donc le Texas, Oklahoma, et Kansas, et Caroline du Sud, Caroline du Nord. Mais Caroline du Nord est tendance à changer. Bon, ensemble des États, c'est ça, les États compétitifs. Avec dit que l'État, ça a eu une possibilité, l'élection présidentielle, pour voter républicain, mais des fois, l'élection présidentielle, pour voter démocrate. Donc, l'État, ça a eu, c'est ça, les États compétitifs. Et, je vous dis, le monde qui a regardé, qui a suivi l'élection, il y a des États qui sont très importants pour garder. C'est eux qui ont décidé l'élection. Il faut regarder qui ça va passer en Floride. Il faut regarder qui ça va passer en Pennsylvanie. Il faut regarder qui ça va passer en Colorado. Pardon, Caroline du Nord. Il faut regarder qui ça va passer en Iowa. C'est ça, c'est l'État compétitif. On a parlé avec vous là, selon la projection qui fait matin. Et si la projection ça au Kimbé, Madame Clinton a fait 308 délégués et Donald Trump a fait 215 délégués. Mm-hmm. Madame Clinton, son candidat au Parti démocrate là, qu'on tout le monde connaît. Lui-même, son première dame de l'Arkansas, les maris Bill Clinton était gouverneur. Il devine première dame des États-Unis, les maris Bill Clinton devine président des États-Unis. Après ça, il devine élu sénateur de New York. De sénateur de New York, il devine secrétaire d'État des États-Unis, ça veut dire ministre des Affaires étrangères pendant Obama était président. Donald Trump lui-même, bon côté républicain, hein, lui-même, lui son milliardaire que monsieur y est, c'est pas un nec qui était dans la politique. Son nec qui aussi tout connaît dans construire l'hôtel, dans construire une série de gros buildings aux États-Unis. Monsieur très involved dans la question golf et monsieur était bon show télévision côté dans show ça et il était qu'on choisit mesdames qui plus belles et bail au prix et il était bon show que les apprentis. Pour Donald Trump, un candidat à la présidence, il est calé 17 candidats à la présidence dans le Parti républicain. Ici, aux États-Unis, en vont un candidat à la présidence, il y a une élection interne en deux partis républicains et en deux partis démocrates. Donc, en deux partis républicains, Donald Trump calé Jeb Bush, Donald Trump calé Marco Rubio, qui est sénateur de la Floride, lui calé Ted Cruz et l'a trié pour une candidat parti républicain. Tandis que pour Madame Clinton, une candidat parti démocrate là, lui calé tout Bernie Sanders, qui sont sénateurs, qui sont Vermont, lui calé O'Malley, qui est gouverneur de l'État de Maryland, pour lui remporter parti démocrate là. Bien entendu, avant l'élection, tous deux partis ont organisé les conventions. Convention, c'est pour remettre nomination par un candidat qui remporte l'élection primaire, ça veut dire élection interne partie. Donc, je dis, c'est la fin d'une campagne qui est très, très longue, parce que la campagne électorale aux États-Unis, qui commence avec les élections primaires, chaque candidat parti
gagnant yo connaît yo laisse ça élection générale là commencer et dans élection générale là il y a trois débats présidentiels dans tous trois débats présidentiels yo analystes politiques yo journalistes yo dit c'est madame Clinton qui gagne et tous les deux candidats ont répondu présent dans débat présidentiel ça c'est pas tant qu'en Haïti il organise débat présidentiel tout candidat au marron sont grain qui présenté l'important non élection présidentielle dans n'importe qui pays sous la terre quel que soit monde qui va organiser débat présidentiel là faut candidat ou venir présenter tête yo son opportunité pour yo présenter bay peuple là vision économique yo vision sociale yo et vision politique ici aux États-Unis plusieurs télévisions te fait débat, CNN te fait débat, Fox News te fait débat et la trier, et ça travers débat ça yo que peuple là vient découvrir candidat yo dans sa vie, dans sa présenté et dans solution que on va l'appliquer là au président. Donc jour matin élection phase finale élection a commencé, taux de participation a très élevé à Nisa parce que deux candidats ça yo c'est deux candidats dans l'histoire politique des États-Unis qui gagnent en pile monde, tous deux monde qui pas vrai. Ni Madame Clinton ni Donald Trump, tout ça, tout pourcentage ça très 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 élevé, pas jamais bien candidat à la présidence que monde pas aimé comme ça aux États-Unis. Mm-hmm. Pas Madame Clinton là, très haut et pas Donald Trump là, très haut. Mais justement Stanley, alors on va venir sur ça avant grand pile critique, grand pile analyse qui fait sur deux candidats spécifiquement. En pile et monde déçu pour dire pour ça les États-Unis est représenté sur le plan universitaire, sur le plan mondial, sur le plan scientifique et pour ces deux monde ça qui rivaient et comme candidat une pour parti démocrate là Madame Clinton et une pour parti républicain Donald Trump là considéré et c'était scandale qui éclaboussé Madame Clinton et ou bien pendant le secrétaire d'État ou bien pendant le candidat à la présidence là et question information secrète li utilisé trafic d'influence et au profit de tête li à travers fondation Bill Clinton nous tendez toute critique qui fait contre lui et même enquête FBI sur question ça. Une enquête qui l'ouvre, qui fait main, qui l'ouvre, et c'est un qu'on accordéon. Et au jeune Donald Trump, lui-même, un peu le monde estime qu'il n'a pas une expérience, l'état de gagner pour diriger un pays tant qu'États-Unis, malgré le pose une série de problèmes de fond, et un peu le monde inquiet pour un pays tant que les États-Unis t'a tombé dans Donald Trump. Donc, d'un côté comme de l'autre, un peu le monde qui a analysé, et même un peu les citoyens américains, et pas à l'aise avec Youn candidat Sayo, et même là quand même, c'est Youn là d'ailleurs qui a privé et président. Aspect ça, comment nous même qu'à observer la situation de plus près aux États-Unis ou même spécialement observer le vivre. Et tant qu'on est lié, les campagnes électorales présidentielles vont section dans l'organisation campagne candidat à la présidence là qui relaie en anglais opposition research avec dit que il y a des recherches qu'on fait sur monde qui candidat en face ou en résultat recherche ça yo ou pas le servir avec lui pour garder qui vient pour déprimer le candidat qui est en face. C'est un exercice normal qui est lié dans la démocratie. Pour côté Madame Clinton, l'équipe LIA, il était fait plus de recherche, il a joint et cacachat sous Donald Trump. Il y a un cacachat qui a joint, c'est un type côté monsieur a parlé sous lui, côté monsieur a parlé très mal de femme. Et les lagues audio ça, audio ça sont audio qui t'est passé sous télévision et en pile côté sur la télé ici des États-Unis, sont bagages qui dommagent Donald Trump en pile, particulièrement dans le temps famille qui va le voter. Tandis que pour Madame Clinton, bagages qui viennent gêner, c'est Jean-Lité Géré, Fondation Clinton, non, et en même temps, tout Jean-Lité Géré, les secrétaires d'État des États-Unis, ça veut dire ministre des Affaires étrangères. Non seulement tu as une enquête FBI, mais une organisation journaliste au niveau global qui gagne comme tradition à l'entrée en dans email monde pour qui s'acclade dans yo, si vous voulez des cacachats sous, vous laguez. Organisation ça s'appelle Wikileaks. Eh bien, Wikileaks est entré, il prend email, Parti démocrate là. Ça, tout staff Parti démocrate là, t'as écrit, yon a clot, ou en pile causé, et cacachat qui sorti dans ça. Et yon prend email tout, Fondation Clinton là. Et yon gagne des email tout, département d'État qui est là. Et, souvle, email ça yon qui t'a suggéré que Madame Clinton t'a touché
pour une série d'actions qu'il a posées comme secrétaire d'État, avait dit que il suggérait que les Mounioubaï Fondation en Cobb, fondation qui ont été bâillée comme blanc, vient permettre que les gens qui ont été fondation comme blanc aient accès à ce secrétaire d'État pour se régler une série de bagailles illégales. Mm-hmm. Et, pardon, pour régler une série de bagailles. Et, je vais ça aux États-Unis, ou à payer pour les gens qui sont dans l'État faire sauver. Mais, FBI lui-même, dans l'enquête qu'il l'ouvre, refermé et relouvri, eh bien, il dit que il va jouer aucune action légale dans sa main de Clinton d'affaire. Donc c'est dans le contexte qui et on voit républicain a frappé Madame Clinton à partir de comme qui fait fond fondation Clinton à partir de l'argent que dit qu'il a payé et comme secrétaire d'État pour son série de monde faveur et en même temps avec email WikiLeaks et yon l'autre bois démocratio a déplumé Donald Trump sous affaire audio femme nan et en même temps dit que monsieur son nègre ce business qu'elle compte faire il pas préparé pour devenir président des États-Unis et yo bay américain yo en pile qu'est sauté nan comme si on est responsable ta gagner contrôle armes nucléaires des États-Unis. C'est dans le contexte que les Américains ont voté et dans les Américains, les Haïtiens américains. Donald Trump a rencontré la communauté haïtiano-américaine dans Little Haiti et Madame Clinton, samedi qui se passe, a rencontré toute la communauté haïtienne dans Little Haiti. La rencontre a été faite quand elle a rencontré Dr. Pierre, qui sont bons amis Madame Clinton, avec Councilman Chairman Bonestime dans Florida. Bagay qui bon année ça c'est que malgré communauté nous en son communauté qui très petit aux États-Unis par rapport à l'électorat américain c'est que ni Donald Trump ni Madame Clinton ta rencontré communauté haïtienne nan, et Haïti fait actualité en pile dans débat présidentiel ici aux États-Unis. Même là, nous sommes communauté qui petit par rapport à l'électorat américain, dans pile pays qui est arrivé, fait actualité, même j'ai avec nous, dans l'élection présidentielle américaine. Haïtiens ont un gros rôle que vous avez aujourd'hui, parce que l'élection est tellement serrée, Florida, dans une localité qui est le Broward, et côté bien pile haïtien, vote haïtien pral en pile. Tellement que la différence entre Madame Clinton et Donald Trump pour l'État de la Floride par en pile. Et c'est pour ça tout que tous les candidats ont chita à la communauté. Je rappelle que la communauté haïtiano-américaine a été écrit en lettre et souvelé que 51 organisations ont été voyées par Madame Clinton sous dossier qui est important pour la communauté haïtiano-américaine ici aux États-Unis en Haïti. Ou n'importe qui jeune, ou moun tap écrit, qui vle wè, qui dossier qui est important pour nous, pour communauté a, yo gen doit aller sous compte Twitter mwen, @Stanley Lucas01, ou bien @commercial Stanley Lucas01, ou bien yo gen doit sous page Facebook mwen, qui gen photo en main avec un drapeau là-dedans, y a besoin de populette ça, que Madame Clinton discute avec communauté haïtienne de Florida. Oui, Stanley, nous te wè, et Haïti te paraît dans débat entre deux monsieur Damio, yon nan débat présidentiel. Qui t'a fait yo. Et côté Donald Trump, t'es accusé, Madame Clinton, à travers la Fondation Clinton et Jean yo mal géré et aide qui pour Haïti, question CIRH, yo parlé de détournement, yo parlé de trafic d'influence. Mais nous songez Bill Clinton lui-même, t'es reconnaître tort li te fait Haïti à travers la production nationale, là, notamment la production du riz. Maintenant, ça, on peut projeter sur l'avenir. Et au cas où c'est Madame Clinton qui t'est arrivé à remporter l'élection, ça, Octavine, président des États-Unis, est-ce que c'est pour une possibilité? Pour autorité haïtienne que nous allons gagner, qui va sortir dans l'élection, nous allons organiser là nous-mêmes, pour nous profiter de momentum ça, pour nous reposer problème naturellement avec autorité qui capable naturellement y a bien légitimité pour ça, mais faut que choisir mon et par exemple le ministre des Affaires étrangères solide pour défendre nos questions comme ça. Et puisque Bill Clinton lui-même te reconnaît tort l'idée fait Haïti, maintenant dans quel niveau administration américaine nan, et dans cadre coopération la gagne Haïti qui a contribué pour essayer et réparer tort ça que Bill Clinton en personne te reconnaît administration là te fait Haïti. Là son projection qui est plutôt positive dans niveau ça, mais la grande question est-ce que encore une fois et Haïti a pour rendez-vous pour le capable élever dans dimension pour le poser problème dans intérêt Haïti tout bon. Bon, soit dit à c'est vrai, yo accusé Fondation Clinton
c'est seulement 6% encore qu'il recevra pour Haïti, qu'il dépensait et souvelé en Haïti, comme l'an passé, non pas quelque autre bagaille qui n'a pas de rapport à nous-mêmes. Et en même temps, tout, il a accusé que près de 13 milliards de dollars qui ont été ramassés pour nous, et souvelé et au niveau global, que Big Building donne d'abgéré, compagnie qui recevra l'argent, ça a eu, qui ont pas fait ça, ont adoué fait. Et au niveau de l'argent que les États-Unis débattent pour nous après l'implémentation là, dans 4,2 milliards de dollars américains, c'est 1,2 milliard que les militaires américains ont dépensé avec bateau, l'hôpital, manger, qui ont distribué, mettre des systèmes de communication, l'argent, ça a eu, ouais, côté le passé. Mais reste l'argent, dans plus de discussions soumises, par exemple, une organisation que USAID débattait 90 millions de dollars américains pour construire 15 000 cailles, organisation sacrée. L'argent, c'est 802 cailles qui construit. Donc, ça veut dire qu'il y a une réalité ça qui existe. Et quand Donald Trump a essayé de capitaliser sur nous. Et on a prêté un avocat qu'on vous dit d'Anto qui n'a Aristide, ça Donald Trump qui l'a marché. Et donc, question ça, pour moi-même, je ne vais pas dire que Bill Clinton reconnaît Paul. Ce pas Bill Clinton qui fait nous tort. Le monde qui fait nous tort, c'est Jean-Bertrand Aristide. Parce que comme président d'Haïti, s'il t'a défendu l'intérêt paysan Latibonite, il ne va pas signer aucun contrat qui permet de dire oui qui sortit à Kansas, qui n'entrer dans le pays. Et M. Lavalasio, qui était contrôlé le Parlement à l'époque, il ne va pas descendre le tarif douanier. Parce que nous avons vu un tarif douanier à l'époque qui te fait que les dirigeants étrangers à rentrer, il était un tarif, ça veut dire une taxe sur lui, il était tellement cher que le monde dans le pays a dit Latibonite là qui l'a acheté. Donc, M. Lavalasio a fait deux bagailles. Il a descendu le tarif douanier, son bail qui vérifie et vérifiable. Deuxième bagaille, là, a signé pour dire à Kanza à rentrer. Dans 10 ans qu'il a fait, il a dit que M. T. Dil a fait, ce n'est pas seulement dans ces 22 000 soldats américains débarqués en 1994, mais c'est descendre le tarif douanier, il fait dire. Donc, où sont-ils là? Pays d'Haïti, besoin de président et besoin des ministres d'État, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, excusez-moi pour les mots, ça, nous avons besoin des dirigeants qui viennent grain dans le monde pour défendre l'intérêt du pays. Pour les étrangers débarquer dans le pays, pour ne pas prendre nous tant que ça. Parce que, regardez, nous importer pour 4 milliards 500 de dollars américains de marchandises étrangères et nous exporter pour 1 milliard 200 millions. Dans 4 milliards 500 de marchandises étrangères que nous commandons, il y a à peu près 3 milliards de marchandises qui sont faites dans le pays si nous voulons produire au niveau national. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le président, nous avons prêté ministre, ce n'est pas un petit sous-sous et capacité physique. Si Dominicain a mettre des dirigeants qui défendent l'intérêt dominicain, nous-mêmes, tout faut nous mettre des dirigeants qui ont fiqué et qui ont grain dans le monde pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Nous connaissons un mot qui est fort, mais je ne veux dire, nous avons trop de ministres pétroliers qui n'ont pas une capacité de défendre l'intérêt national. Et oui, faut nous réorganiser l'État noir. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, il faut que vous retirez coopération externe, il faut aller dans les affaires étrangères. Diaspora, il faut vous faire même pour aller dans les affaires étrangères, pour qu'on crée un ministère qui défend tout le bagage noir à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération externe et de la diaspora. Et en même temps, tout, il faut que les gens qui ministrent aient autorité pour le ministre tout bon. Ou pas qu'à ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, ministre du Commerce, mon appartenir dans le palais national, à rencontrer le président sous dossier co-responsable, c'est aucune responsabilité constitutionnelle, et puis vous-même comme ministre, ou pas même au courant, c'est qu'il y a plus de dossier. Des autres, ça n'est pas qu'à continuer. Donc, c'est une situation qui est compliquée. Stanley, alors, il faut que nous disions, c'est extrêmement important parce que il y a un ministère qui est vraiment en crise dans le pays d'Haïti, c'est le ministère des Affaires étrangères. Alors, attendez, qui scandale et qui désordre qui n'a pas pouvoir ici, a fait dans la diplomatie, et député, notamment sénateur, qui a utilisé des amis, des familles, chauffeurs, photographes, etc., et fait trafic d'influence pour ces gens qui occupent l'espace diplomatique, alors que les gens n'ont pas de qualité, n'ont pas
information pour ça, il n'y a pas de défendre rien. Et comme dossier concerné Haïti, son ministère, généralement, il est utilisé pour faire politique. Donc, il est vraiment important que le prochain président qui a sorti et dans l'élection qui va le fêter 20 novembre, le problème ça, il est opposé pour Haïti à la souffle. Mais permettez-nous pour une petite pause. Permettez-nous pour une petite pause. Tandis que nous avons regardé l'implication et l'élection américaine qui a gagné sous politique en Haïti. Mais tout et comportement dirigeant haïtien, il a dû gagner. Et face à la nouvelle administration américaine qui a venu, qui c'est Donald Trump qui a pris la tête comme président, ou bien encore Hillary Clinton, qui c'est ancienne première dame des États-Unis, puisque Marie, déjà Bill Clinton, était président. Nous avons fait une pause et vous avec nous sur Télésignal chaîne 56, mais tout 90.5 Signal FM, et nous avons tenu avec Lucas depuis Washington. Érosion, urbanisation, production agricole, développement, environnement. L'ensemble de ces sujets seront traités à l'émission Comprendre avec des invités de marque. Comprendre, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 p.m. Dimanche, 1h p.m. avec Michel Souka. Dans l'occasion de l'élection 2016, la Radio Télésignal a organisé un sondage par téléphone qui a concerné 5 candidats. Jude Célestin, Parti La Paix, Marise Narcisse, Parti Famille Lavalas, Moïse Jean-Charles, Parti Petite Desalines, Jean-Henri Seyan, Parti Remé Haïti, Jovenel Moïse, PHTK. Pour qu'a choisi un candidat, sa yo, râlez téléphone ou composé 34 38 3 4 3-8. Voyez l'aller et puis suivre l'instruction. Bienvenue dans le sondage élection 2016 pour poste président Signal FM à faire. Suivez l'instruction pour qu'à choisir le monde ou quoi voter. Programme ça, c'est un sondage, c'est pas élection. Sondage présidentiel 34-38, une initiative Radio Télésignal. Amis téléspectateurs, chaîne 56 yo, pour nous continuer à causer avec invité. Stanley Lucas n'a parlé de l'élection américaine, de candidats, Donald Trump et Hillary Clinton. Nous sommes regardés en direct sur chaîne 56, Madame Clinton qui souhaite voter. C'est des images en temps réel. Nous vivons sur chaîne 56 télésignal naturellement. Et les gens qui sont sur radio attendent et ça qui a passé avec Stanley Lucas. Alors Stanley, nous avons fait une considération sur le fonctionnement généralement de la diplomatie haïtienne. D'un côté, ce n'est pas intérêt Haïti qui a réglé, c'est intérêt des amis. C'est deal politique qui fait sous tête ministère ça et généralement ou joint un ministre affaires étrangères qui pas répondre à véritable mission et son ministère qui totalement défaillant qui en crise et il va falloir que ce prochain président et qui prend responsabilité pour tes corrections à niveau ça pour définitivement Haïti projeter on l'autre image un peu partout à travers le monde notamment aux États-Unis n'a parlé là qu'a fait élection jeudi. Bon et m'invite étudiant yo et li un document que moi été écrit en anglais en 2011 qui relé Reframing Haiti's National Reframing Haiti's Foreign Policy by Stanley Lucas. Elle dit que et proposition pour une nouvelle stratégie de politique étrangère pour Haïti. Elle dit que notre stratégie ça pour que politique étrangère nous gagne et soulever et trois grands objectifs. Et en fonction objectif ça yo et ben on va gagner soulever des points spécifiques qu'on va chercher pour défendre l'intérêt national pays d'Haïti. Donc tout ça qu'a fait moi-même on somme des bagages pour regarder. Loi organique ministère des affaires étrangères mérite pour changer. Et nous sommes dit on petit causé sur ça là comment que en affaires étrangères on doit rejoindre la diaspora, la coopération externe, les affaires étrangères et les crimes. Deuxième bagaille là parce que moi j'ai eu un job là en 2012 m'étais refusé. Où j'ai refusé
ou pas capable mais non politique de l'intérieur d'Haïti si pas les majorités dans le Sénat au moins. Parce que vous avez une réforme administrative, technique et légale, voilà, par le ministère, mais une réforme de personnel. Je vous dis, près de 75% de monde qui travaille dans la politique étrangère n'ont pas de qualification pour travailler en dedans. Même pas aucun problème que le gouvernement monte, il mette le monde pâle dans le ministère des Affaires étrangères ou bien à l'étranger. Pas aucun problème que des parlementaires, députés et sénateurs viennent proposer des mondes pour faire une diplomatie. Mais il y a deux bagailles que vous devez connaître. Le premier bagaille que vous devez connaître, c'est le ministère a un budget. Il n'y a pas qu'à faire 30 millions de gouttes de déficit chaque mois ou 35 millions, qui fait que jeudi, nous dans le mois de novembre, c'est la dernière fois que le ministère a fait 35 millions de mois de septembre, qui n'est pas admissible, le monde qui est à l'étranger a des billes qu'il paye. Deuxième bagaille là, ça veut dire que bon nombre de monde que le ministère n'a pas dépassé. Deuxième bagaille là, c'est pas qui député à sénateur qui a voué le monde, mais pas voué un monde qui est incompétent. Je vous dis, l'organe des personnes de poste, là en Floride, il y a presque 60 personnes dans le consulat, ou besoin de 20 personnes, 15 personnes pour faire travail là. Il faut mettre des gens compétents pour faire travail là. L'organe des centres de poste, notre diplomatie à New York, avec deux missions que nous gagnons, Washington, mission que nous gagnons, Saint-Domingue, et ensemble de missions que nous gagnons à l'étranger. Aujourd'hui, en fonction du budget qui vote dans le Parlement pour le ministère des Affaires étrangères, nous gagnons 60% plus de monde que le budget à prévoir. C'est ça qui fait que les ministères à payer. Nous n'avons pas qu'à dire que nous avons diplomatie, mais créole, vous n'avez pas qu'à parler, vous n'avez pas parler français, vous n'avez pas parler anglais, vous n'avez pas parler espagnol, même créole. Que vous parlez à des difficultés pour comprendre. Qui soit fait dans la diplomatie. Alors que le monde qui est dans la diplomatie a été carré, il faut que le monde qui va chez nous, il faut qu'on mette un monde qui a un caractère, un monde qui a un sens et doctrine diplomatique pour être ouvert. Il ne faut pas oublier que racine et vision diplomatique, non, c'est tout cette ouverture qui est pour nous. La diplomatie haïtienne, en fonction de la doctrine ouverture, il faut parler à tout le monde. Tout cette ouverture qui est parlé avec les Français, les Anglais, les Espagnols, pour atteindre l'objectif qui est la libération générale des esclaves. Nous-mêmes, nous, aujourd'hui, il faut que nous ayons des diplomates, c'est un domaine qui a engagé, parler, discuter avec le gouvernement dominicain, mais pour défendre l'intérêt national, il faut que dans Washington, dans New York, à Paris, mais je vous dis à l'organe, conseil des diplomates qui nous gagnent, diplomates qui fait que gagnent là des problèmes avec eux, ce n'est pas intérêt pays et peuple haïtien qui a défendu, c'est intérêt pays côté OIA qui a défendu. Donc, il faut nous garder tout qui vient de l'intégrer haïtiano-américains, français-américains, canadiens-américains. Par exemple, au Canada, nous avons des élus haïtiano-américains, et le premier ministre Justin Trudeau fait que nous, mais on sénateur haïtiano à Canadien, l'autre bois, nous avons Emmanuel Dubourg, ici aux États-Unis, nous avons 26 élus haïtiano-américains, républicains et démocrates, sortis dans Mialon, passés par Monesti, Raoul Kwame, Linda Fourier, etc. Comment nous allons intégrer haïtiano-américains dans la stratégie et objectif de politique étrangère? Mais en même temps, tout, pendant que le travail s'est fait au niveau de l'État, il faut inaguer, dynamiser. Inaguer doit faire des conférences chaque mois sur les objectifs de la politique étrangère d'Haïti au niveau économique. Par exemple, au niveau économique, là, mon nouveau banque mondiale, que Chinois et Louvri, qui baille des pays contre Haïti, ou avantage au niveau des infrastructures et la trier, qui ça nous a fait au niveau de la politique étrangère pour nous jouer un avantage ça. Est-ce que les gens aident externes structurés dans la Banque interaméricaine de développement et dans la Banque mondiale, est-ce que ce n'est pas des petits dollars qui a besoin nous pour ne pas le bateau? Est-ce que l'argent qui a besoin nous qui a facilité le développement politique? Malheureusement, si le débat sérieux ça, on a proposé dans le pays d'Haïti, empêcher que démarrer elle ça au fait sur des dossiers de politique étrangère, de sécurité nationale, de développement économique, d'agriculture, de commerce et d'atelier. Les arrivés pour nous faire des affaires. Mais Stanley, ça pour comprendre, c'est que disposition Wabdi là, ce n'est pas Nancy Eli Absoti pour tomber sous la terre, c'est négociation qui fait yo, généralement. C'est président de la République là en personne qui fait yo, avec parlementaires, il y a une fois premier ministre qui est impliqué tout le là. Donc c'est président qui pour bailler le ton, qui pour qu'on ait une discussion, une négociation qui a fait avec le
Parlement, mais avec n'importe quel secteur qui concerne la diplomatie haïtienne. Non? Et il faut que c'est des gens qui non seulement qualifiés compétents aujourd'hui, mais c'est des gens qui ont feuille de route, qui ont objectif spécifique, qui ont travail technique qui a obtenu le bras, le fait qu'il y ait à fonction. Yo. Mais si c'est Jean-Lapierre, là, c'est Nèg qui président et commission affaires étrangères au niveau Sénat, qui tout puissant, qui met moun livelé en fonction de contexte politique, menacé ministre juste pour qu'il y ait un deal qui fait sous deux pays, c'est sûr. Et n'a fait 50 émissions comme ça, et n'a fait tout ça nous voulait comme débat, mais réalité n'a pas changé. Yeah. Donc c'est président qui a ça en charge. Ça veut dire que c'est un aspect là-dedans. Par exemple, si mon secrétaire d'État ont autorité américaine ou canadienne qui a venu dans le pays d'Haïti, et c'est ministre des Affaires étrangères qui vous prépare visiquant, soit venu régler, qui intérêt pour venir défendre. Et c'est le ministère des Affaires étrangères, avec ensemble direction qu'il gagne, ambassade qu'il gagne, en fonction de monde qui a venu, et en fonction de direction générale, là, qui pour préparer dossier technique. Là. Par exemple, dossier TUI que nous avons parlé tout à l'heure, si le ministère des Affaires étrangères, ministère du Commerce et Agriculture, qui travaille sur lui pour faire des recommandations au président, et s'il était discuté en Conseil des ministres, Cyril Latibonite pas craser, et Aristide pas craser, Cyril Latibonite, bien des cabines proposées, c'est Bill Clinton. C'est pas Bill Clinton. Bill Clinton, c'est défendre les intérêts des États-Unis. Si c'est ça lui défendre pour dire à Kansas, c'est ça l'objectif de politique étrangère. Américains, il y a des objectifs de politique étrangère à venir défendre l'intérêt. Il y a une ambassade, il y a un département d'État avec toutes outils de politique étrangère qui défendent les intérêts des États-Unis. Nous-mêmes, là, il faut nous organiser l'État, nous en tout, pour défendre les intérêts des États-Unis. Si après, soldats dominicains qui pouvaient faire débarquer dans le pays, c'est discuter en Conseil des ministres. Soldats dominicains qui va rentrer dans le pays, nous avons que en 1930 et en 1954, les cyclones Zénon et cyclones Azel dépassaient Saint-Domingue. Nous étions le premier pays de la communauté internationale qui était pour être par les Dominicains. Mais étant donné que c'est dans le nous qui nous avons pris l'indépendance, et ça a en 1805, qui est monté dans l'expédition militaire Saint-Domingue, avec notre président pays d'Haïti qui était monté, Jean-Ouvrier Saint-Domingue, par sensibilité diplomatique, nous avons pris l'aide en 1930 en 1954. Nous avons voulu soldats haïtiens le bois. Donc si bagaille ça a été discuté en conseil des ministres, et pour ça, bon candidat l'idouqué, il va renforcer l'institution, il va faire l'institution jouer le rôle pour que n'est pas rentré, étranger pas rentré dans le palais, sans ministre pas au courant. Ou imaginons au ministre du Commerce, au ministre des Affaires étrangères, il y a des deals qui sont signés, et puis vous-même qui dans l'État, ou pas même au courant comme ministre. Des autres, ça doit être fini. Et j'en saute dit là, il faut une réorganisation de l'État. Il faut que le dossier qui est important par rapport aux étrangers qui ont coopéré avec, il faut discuter en Conseil des ministres pour que le ministre des Affaires étrangères joue le rôle, le ministre des Finances, le ministre du Commerce, le ministre intérieur et la trier, pour que des autres, ça a fini dans le pays a, pour un bon système démocratique qui fonctionne. Même j'ai ici aux États-Unis, Obama a signé un deal avec l'Iran, Congrès des États-Unis, qui a pu voter sur lui, par la discuter en Conseil des ministres. Des autres, ça n'a pas continuer dans le pays. On nous retourne sur l'élection américaine. Vous entendez, naturellement, il y a des grands dossiers au niveau international, captant administration américaine, nan, qui c'est démocrate qui est en tête ou bien républicain. Je dis à la question, oui, si, nous recommandons. Relations tendues entre Washington et Moscou. Et nous, ouais, par rapport à dossier Libye, à comment situation y est, question Irak, Afghanistan, et lutte contre terroristes, nous, ouais, comment situation a présenté au niveau mondial. Et là, grand pile monde contingent inquiet, a demandé est-ce que Donald Trump, si c'est lui qui vivait dans tête pays États-Unis, et Abgasse Bren pour gérer question ça yo, avec tac, Jalda doit gérer dans intérêt pays ça. Ou bien encore, Mme Clinton, à travers l'expérience dans l'État, 30 ans d'expérience et plus, et si c'est lui qui passe, est-ce que c'est pour la continuité et dans le sens politique, administration et démocrate qui est déjà mené à niveau ça, surtout avec Obama, et qui base sur négociation et sans arrêter des objectifs bien spécifiques, et où il frappe le bruit, frappe avec mesure. Et là, est-ce qu'au niveau diplomatique, et gros dossier ça, au capitaine et Washington, capitaine prochaine administration américaine, va continuer et alimenter des bâillons dans l'esprit armé américain, je dis. Et c'est sûr, j'en saute dit là, que le nouveau président américain a prêté seulement le 20 janvier, mais le président américain, ça a, il y a des gros défis au niveau de politique internationale et des gros défis au niveau interne. Au niveau interne d'abord, c'est sûr, c'est défi économique. Et où gagne une dette
qui ont un impact direct sur l'économie américaine, c'est là représenté 20 trillions, trillions avec un T, des composants Thomas. Donc ça a un impact direct sur l'économie américaine, ou la croissance économique américaine, mais ça a 1.3-1.2%. Et bien entendu, les gens qui sortent sur le marché de travail, là, ils ont un impact négatif sur l'économie américaine. Il y a un dossier social tout qui est important. Et le premier dossier social qui est important, c'est ça, la question d'assurance santé. Je vous dis, et assurance santé, il y a des États côté qui va augmenter de 22 à 140% au côté qu'on coupe l'Arizona. L'État dit qu'on s'accueille, il y aura des supports pour les gens qui ne peuvent pas payer. Donc, ça veut dire qu'il y a des gros dossiers internes qui sont importants pour les États-Unis. Au niveau global, ou bien la montée, au niveau de politique étrangère, ou bien la montée hégémonique de la Chine, ou bien la montée hégémonique de la Russie. Et ou bien des points qui sont des points très chauds, notamment au Moyen-Orient. Ou bien dossier Irak là, ou bien dossier deal nucléaire avec l'Iran, ou bien dossier Syria qui sont des dossiers chauds au niveau de la politique étrangère. Ou bien dossier Afghanistan tout. Et les États-Unis qui étaient censés quitter l'Afghanistan à Nessa, décidé qu'ils ont quitté l'autre bois, 10 000 soldats américains pour un temps qui passent trop clair. Donc ça veut dire que. Au niveau de la politique étrangère, il y a une bagarre qui vient envenimer la situation. C'est ban email que WikiLeaks l'a géo qui permet une série de dossiers confidentiels des États-Unis qui circulent sur Internet là. Et au niveau régional, le dossier qui est plus important pour les États-Unis, c'est le dossier Cuba avec le dossier Venezuela. Pour une transformation qui commence avec Cuba. Si c'est Donald Trump qui est président, la bonne direction. Si c'est Madame Clinton, la continuer dans le même sens que Obama a commencé là, dans réouvrir les relations. Ouais, depuis les relations qui est ouvert entre Cuba et les États-Unis, nous avons signé à peu près 30 accords de coopération. Et son j'aime de tout ça, depuis 5 ans, nous répétons ça sous signal FM, dédié depuis Cuba l'ouvrit, nous-mêmes, la balle a un impact négatif sur Haïti, la République dominicaine et Jamaïque. Parce que 60% de l'aide internationale à l'Amérique latine, c'est Cuba qui va aller dans 20 ans qu'elle va venir. Deuxième dossier qui est important pour nous au niveau régional, c'est développement Venezuela. On est que bon gros gourmet à fête Venezuela et pour nous font référendum sur la présidence de Maduro. Et bagay sa kaba instabilité politique. Et l'économie Venezuela a une mauvaise situation, parce que pendant 5 ans qui sont passés là, l'argent vénézuélien a perdu 99,4% de valeur. Bien entendu, à cause de présence haïtienne ici aux États-Unis et montée flux migratoire là, et à cause du cyclone Mathieu, si pas de travail sérieux qui fait dans le département géographique qui est affecté, deux départements qui affectent sévèrement le sud et la Grand'Anse, deux départements qui affectent moyennant et sud-est avec nous, et deux départements qui affectent légèrement l'ouest et nord-ouest, si rien n'est pas fait, migration, flux migratoire là, va augmenter de 600 à 900%. Où est comme Haïtien, saute en Haïti pour passer par l'Amérique centrale, arriver au Brésil pour aller entrer en Californie. Nombre de Haïtiens qui entré à partir de l'Amérique du Sud en Californie, lui augmenter de 300 et de 400%. Donc, ça veut dire que le dossier Haïti a pour aller faire fond. Et c'est pour ça que, en matière de politique étrangère, priorité des États-Unis en Haïti pour c'est non seulement aider victimes cycloniaux, mais c'est garantir que bon gouvernement constitutionnel qui prête serment le 7 février. Donc en matière de politique étrangère, oui, les États-Unis ont un gros dossier global qui a géré, nous-mêmes tout nous l'a donné. Dans le cas de ça, il y a deux bagages qui sont importants qui doivent être faits. Gouvernement constitutionnel capable de monter à, doit avoir une stratégie claire qui vient pour l'aborder le nouveau gouvernement américain. Est-ce que même Jean avec l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons besoin d'un plan économique Marshall pour faire l'économie nous redémarrer et haïtiano-américains, même Jean, toute communauté au fait aux États-Unis, ils doivent préparer un mémorandum pour le nouveau président américain qui va rentrer le 20 janvier pour dire, en tant qu'haïtien-américain, mais qui sa priorité. Aux États-Unis et par rapport au pays d'Haïti, mais qui sait même en tant qu'haïtien-américain, de t'arrêter, mais ouais, que le nouveau gouvernement américain fait pour les États-Unis et pour Haïti, pardon.
Très bien. Et merci un peu Stanley, bien un peu l'autre cause de Bundadi, naturellement sous élection américaine, il y a un pack éventuel qui a gagné sous Haïti, si c'est démocrate ou républicain qui gagne. Mais pour matin, Abdou merci pour l'élément éclairage ça, et débat nous fait sous le déroulement élection américaine aujourd'hui. Et n'espérez vous parler dans l'autre occasion. Bon, c'est ton plaisir pour moi, pour me défendre tirer à les matins. Moi, j'espère que tout le monde qui t'attend après nos bagailles, moi, invitez-nous à lire le document de politique étrangère que nous avons préparé à qui, c'est en anglais, que lui, les Reforming Ladies, Foreign Policy Strategy, et en même temps, tout, politique étrangère à marier avec politique de sécurité nationale là. N'invitez-vous à lire le document qui est les propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti, parce que c'est le cas. Et nous avons même capitaine des matins là, pour continuer. Discussion politique là avec moi sur compte Twitter moi @StanleyLucas01 ou bien @StanleyLucas01 ou sur page Facebook nous. Dernier point que m'a fait matin, moi invitez nous tous et venez participer. Nous avons une séance d'interpellation de ministre Annick François, ministre intérieur, parce qu'il n'a pas fait travail. Nous commençons une séance d'interpellation sur Facebook et sur Twitter. Nous demandons venez participer. Nous mettez 25 questions pour lui. Si vous même ou bien question tout, nous demandons venez participer dans l'interpellation. Ça. Bon Dieu béni nous qui là. Très bien, merci à vous. Avec nous en direct depuis Washington, Stanley Lucas, qui a payé brasser Libye avec nous. Sous déroulement élection américaine aujourd'hui, Hillary Clinton pour parti démocrate, là, Donald Trump pour parti républicain, à soir, et peut-être avant 10h ou après, nous connaissons qui est l'une ou l'autre là-dedans qui pourrait le prêter serment le 20 janvier, et comme prochain président des États-Unis, éventuellement, qui implication l'une ou l'autre et comme président, et dans le cadre politique qui pourrait le gagner, sous nous-mêmes, Haïtiens qui vivent en Haïti, sous Frein Action qui vivent aux États-Unis et un peu partout. À travers le monde. Mais ça qui est plus important, pas jamais oublier ça, et c'est toujours intérêt États-Unis, quel que soit le président américain, à défendre tout partout, ni aux États-Unis, ni un peu partout à travers le monde. Donc, il est fondamental, il est vraiment fondamental que ces dirigeants haïtiens qui prennent disposition pour défendre intérêt Haïti gagné ici dans le pays, et intérêt Haïti gagné et dans l'autre pays à travers le monde, notamment la caille grand voisin, nous, et qui c'est États-Unis d'Amérique. Merci un peu pour fidélité, patience et attention, qui était avec nous sur chaîne 56 Télésignal, mais qui était avec nous tous sur 90.5 Signal FM. Continuez, restez branchés à Venn. Bonjour, bonsoir tout le monde.